Wow, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette huitième VOD sur Viril Games sur Medieval de Corlès et Corlès de Corlès. On a découvert un truc et merci aux viewers qui m'ont notamment Prapoupa et Tremblotte, qui sont des modérateurs, hein, qui m'ont fait évoluer sur la voie du marteau, puisque ils ont été cherchés pour moi. Effectivement, il y a un truc qu'on n'avait pas capté, c'est qu'on peut faire ça. C'est qu'on peut faire des coups chargés. Alors par contre, ça c'est dégueulasse parce qu'ils me l'ont jamais expliqué quoi. Ils ont jamais expliqué qu'on pouvait faire des coups chargés. Et ça, je trouve, c'est pas cool. Alors du coup, on va prendre notre revanche sur ces boss qui étaient dégueulasses. Parce qu'on se les refait hein, plusieurs fois pour voir un peu les techniques. Loupé! Mais effectivement, c'est craqué. C'est complètement craqué. Par contre, c'est vrai que cet endroit manque cruellement d'ambiance. Oui, bah moi je vais aller prendre de la vie si vous voulez bien. Voilà. Je vais me recharger à fond. Parce que je pense pas qu'on risque de trop perdre de vie contre eux. Maintenant qu'on a compris la technique. Peut-être que si t'appuies plus fort sur la gâchette, ouais, c'est ça. Donc on parlait aussi, est-ce qu'il y a des coups chargés pour toutes les armes? Mais oui, quasiment toutes les armes. Enfin, on n'a pas tout testé, on n'a pas encore testé le pistolet, mais toutes les armes ont une attaque chargée. Ça, on le savait pas. Ça ils l'ont jamais expliqué. Ah non, alors par contre, non, tu vas te calmer tout de suite. Lâche. Voilà, bim, dégage. Dégage. Et on a gagné! Oui, on a gagné! Comme ça, grâce aux viewers. Le laboratoire du professeur. Oh! Je vous présente l'arbalète. Oh, quel bel objet! Ben on va récupérer ça. Alors, moi, j'ai envie de tester quand même. On va tester s'il y a un coup chargé avec le pistolet. Non! Non, non, ça serait craqué, à vrai dire. Hein. C'est, je pense qu'il n'y a pas de coups chargés avec les armes à distance. Mais il y a des coups chargés, en tout cas. Donc je vais vous montrer justement le coup chargé avec la canne qu'on a découvert et qui, en fait, peut faire le café. Donc on se disait, ah ouais, la canne, ça peut être cool parce que y a du knockback, machin. Ouais, non, mais en fait, non, c'est pas pour ça qu'on utilise la canne. Vous allez voir. Vous êtes prêts? Allez, t'es prêt, Fortesque? Montre-nous tes pouvoirs. Oh! Voilà. Donc ça, en fait, ça aurait pu faire le café depuis le départ, mais on n'a jamais pensé à l'utiliser. Parce qu'on nous l'a jamais expliqué, surtout. Bref, ceci étant fait, moi, je vous propose qu'on aille peut-être essayer de récupérer le colesse. En tout cas, pas ici. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On va essayer de voir si on peut récupérer le colesse ici. Non, on ne va pas sauvegarder. Par contre, ce qu'on va faire, on va faire une quick save ici, à Kensington. Donc voilà, pour faire la petite VOD, tranquillou. Alors, je me souviens plus du tout du niveau, mais je sais que il peut être sympa ce niveau. Ah. Alors, non, là par contre, un truc qui serait bien, c'est peut-être le marteau. Justement. Aïe, enfoiré, viens là. Crève. Viens là. Oh! Mais oui, mais ça fait complètement le café en fait le marteau. Non mais forcément. Ah bah une fois qu'on te l'explique, ça va tout de suite beaucoup mieux. Salut. Et voilà. One shot. Ah mais ouais, mais
Mais d'un coup d'un seul, tout va mieux. Tout va tout de suite beaucoup mieux. Donc par contre, Kensington. Alors je vais demander aux viewers s'ils pourraient aller me chercher l'endroit où on trouve le colosse à Kensington. Parce que j'avouerai que ici on avait cherché quand même pas mal pour essayer de trouver ce colosse et que on l'avait pas trouvé. Aïe. Ouais. Vas-y, tu veux aller où? Non. Attends, il doit y avoir un autre zombie. Ah bah il est coincé là, ce con. Boum. Et bah voilà. Ça passe bien, ça. Voilà, voilà. On est bien. Ah, ce marteau fait complètement le café. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est le marteau de la vie, quoi. Le marteau de Thor, c'est vraiment... c'est vraiment extra. Comment on fait déjà pour pousser, choper des trucs? Ah voilà, c'est comme ça. Bah c'était comme ça, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Tiens, attrape la caisse et pousse-la pour voir. Vas-y. Non, pas... vas-y, Frankie. Frankie, Frankie. Forteski. Oh. Je lui donne des noms russes maintenant. Hop, on récupère ça. Il n'y a rien d'autre. Ici, peut-être. Oui! Oui, 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 j'aime l'argent. Oui, oui, bah voilà. Du fric en plus. C'est bien parce que le fric, lui, repop. Attendez, parce que la vie, par contre, elle ne repop pas. Chut, 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 chut. Cassez-vous. Oh, ce marteau, quoi. C'est le marteau de la vie, hein. Et voilà. Oh là là, ce massacre. Non mais ce marteau est génial en fait. J'ai pas besoin d'autre chose. C'est bon, j'ai trouvé ma waifu. En fait, ce marteau, je vais me marier avec ce marteau qui est génial. Meilleur marteau de l'univers. Meilleure arme de Medieval, ça y est. Oh là là. Moi j'aime bien les armes où on n'a pas besoin de viser, il faut juste taper fort et puis ça fait le café quoi. Alors ici, on a un bouclier. Bah, au moins c'est fait. Hop, hui, hop, hui, hop. Ah lui il vend des trucs, mais pour l'instant pas besoin. Alors là, on monte, ok, machin. Alors il faut pas aller là parce que justement, le colis il est pas là. J'ai perdu beaucoup de vie avec cette connerie là, me casser la gueule comme un con. Et voilà. Boum. Moi je fais le café, je suis comme ça. Donc un grand merci aux viewers qui ont fait complètement le café. Au revoir. Oh là 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 là. Non mais c'était génial ça. Ah. On peut pas pousser cette caisse.
Parce que ça m'a l'air d'être un endroit où on peut aller, ça. Et là, si on avait une caisse, on pourrait la pousser pour la mettre ici. Wep, wep, wep. Et là, il y a de la vie. Il n'y en a pas beaucoup, il me semble. Ouais, c'est ça. Il en reste très très peu. Oh là là. Oh, ce marteau, quoi. Oui. Stop, 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 cassez-vous. Là, tu peux récupérer le calice. Donc on peut récupérer le calice maintenant. Donc ça c'est bien. Hop, on va bouger ça. Viens là, petite caisse. Maintenant, je sais pas où il est le calice, c'est ça le problème. Pour l'instant, mon plus gros souci, c'est que je sais pas où il est. Parce que là, je peux déjà le récupérer. Tu-tu. D'accord, en fait, non, c'était bon, ça, c'est... Ok. Je me souvenais pas qu'il fallait passer comme ça. Alors, là, on a une clé qui nous permet d'accéder à... Eh mais non, 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 lâchez-moi! Oh là là! Et voilà, ça t'a touché quand même. T'es à 25 bornes. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Waouh, 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 vous êtes nombreux là. Oui, bah j'ai tapé, mais non, apparemment non. Qu'est-ce que... tu devrais être mort, toi. Non, casse-toi. Arrête de me grignoter les orteils, là. Ok, ça c'est bien. Oh, il s'est affalé juste devant moi et je l'ai achevé. Et voilà, bon. Ça, ça fait très très bien le café. Donc on peut rentrer là aussi. Alors je vais demander aux viewers s'ils ont trouvé où se trouve le calice de Kensington. Parce que je vous avoue que moi, de mon côté... Ben j'aimerais bien savoir, en fait. Voilà, donc on peut sortir, mais on s'en fout en fait. C'est pas ça qu'on veut. Hein. Non. Ok. Kensington, la zone. Merci à Prapoupa, hein, qui est un de mes... modos qui est en train de me chercher ça. Le sort a été lancé. Recherche des indices, puis dirige-toi vers le musée. Il s'y passe de drôles de choses. Oui, bah ça, on sait qu'il s'y passe de drôles de choses. On l'a déjà fait, ce niveau, voyons. Tu te rappelles pas, Casper? Ah, t'as encore moins de cerveau que moi, on dirait. Alors, je me sers un petit verre de coca pendant que mes viewers cherchent. Avec assiduité. Tudu-pi-tudu. Pendant ce temps-là, nous, on va aussi chercher de notre côté. Où se trouve le colesse. Ça nous permettra d'avoir une nouvelle arme de débloquer.
Et peut-être que ce sera encore une arme craquée. Avec un coup chargé. Boum. Ah non, 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 monsieur, me tuez pas. Si. Tiens, ici, là. On peut monter, là, apparemment. Ah, on va monter. Où est-ce que ça me donne quoi, ça? Quelle zone? Donc, c'est une zone où on a déjà été, en fait. Ok. Donc, ça ne sert à rien. À l'arrière du train. Le train? Quel train? Il y a un train ici? Il y a un rail de chemin de fer. Mais je vois pas le train en fait. Prendre cette échelle là, ok. Apparemment, on peut pas aller par ici. On peut pas sauter ici non plus. Il faut sonner la cloche. Ah, ok. Merci. Merci à Prapoupa, le super modo. Qui m'a enfin donné accès au Qualess. Ce Qualess t'est dédié, Prapoupa. Tu as trouvé le calice des âmes. Merci, Prapoupa. C'est grâce donc au Prapoupa qu'on a réussi à attraper le Qualess. Ça, c'est une bonne chose, hein. C'est... Ah, ben voilà. Merci, hein? Prapoupa, en tout cas. Mais je me souviens de vous. Je vous ai pas défoncé la tronche déjà. Voilà. Bon bah très bien. Et donc ici normalement il y a un boss, non? La tombe. Ah oui, c'est ça. C'est ça, là ici il y a un boss. Non? Mais il faut sans doute sauvegarder. C'est ça. Donc, on fait une sauvegarde rapide. Alors, ah oui, c'est vrai que c'est le coin des sauvegardes rapides. Ça passe. Ok. Eh ben non. Ah non mais du calme. Voilà, double meurtre, triple meurtre. Nah. Bon, il y avait des trucs en haut, au final je crois qu'on s'en fout. C'était bien de la balle. Merci de participer au live. Vous voyez que vous pouvez également, vous qui êtes sur YouTube, venir voir de temps en temps sur la chaîne. Et quand on fait du Medieval, vous pouvez également m'aider dans ma quête de terminer ce jeu. Ah oui, ça je me souviens. Je me souviens comment on fait. Là, il y a de la vie. Alors, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas des masses, hein. En même temps, on est déjà passé par là. Le marteau.
Aïe. Et voilà. Vous êtes mort. Ah, le marteau, ça c'est... Ça c'est l'arme de la vie, le marteau. Alors, si je me souviens bien ici, il y a plusieurs trucs à faire. Hein. Donc déjà, on peut monter là. Tac. Voilà. Ah, je l'ai pas assez poussé. Voilà. Ah, ça vous arrive assez... ça vous arrive aussi à vous aux toilettes, de pas l'avoir assez poussé. Là, donc on a trouvé le parchemin de Sekhmet. Et ça vous le savez, puisque normalement vous avez dû regarder les précédentes VOD. Si vous l'avez pas fait, allez-y. Chut! Calme-toi! Voilà. Ah! Vilain toutou! Vilain! Pas beau! Pas beau du tout! Voilà, comme ça. Ah, pchit, pchit, pchit. Non, va par là, Fortesque! Par là! Voilà. Bah oui, parce que pour avoir le colesse, mes chers amis, il faut absolument terminer le niveau. Sinon, ça ne marche pas. Oui. La tablette d'Horus. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Tac. Paf. Là, il y a encore un toutou. Voilà, il est mort. Tac. Allez voir, on va faire ça rapido. Non, Fortes, pousse. Pousse. Poussez le bébé. Et voilà. Ah. Et tac. Et voilà, tu es mort comme un caca. Et nous, on va par là maintenant. Alors. Là, on a les machins et les trucs. Donc, si je fais ça. Oui! Maintenant. Ça! Oui, ça passe. Et là... La tablette d'Horus. Et voilà. Donc on a déjà vu cette cinématique. Revoyez-la dans les VOD précédentes. Nous, on retourne au laboratoire du professeur pour aller donner le Koales si durement gagné. Ce Koales, mon cher Prapoupa, va me donner accès à une nouvelle arme grâce à toi. Prenez cette arme. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Oui ? Oh, tu m'as débloqué la hache. Oh, la hache. Oui, 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 la hache. Une des meilleures armes du jeu, hein, honnêtement. Sans trop spoiler, je peux dire que c'est une des meilleures armes du jeu. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu peux taper comme ça et tu peux l'envoyer avec un effet boomerang débrayable. Par contre, cette hache, tu ne peux pas... Non, tu peux pas charger le coup. Bon, c'est déjà assez craqué comme ça.
En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite VOD sur Medieval de Qualès. C'était donc le boss de l'observatoire et la récupération du Qualès. Du Qualès tant attendu. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sache encore. Nous suivre moi et Reptar sur Twitch et Twitter. Plein de gros bisous et surtout hashtag Amour Viril.